Salutations, on se retrouve à nouveau sur Warcraft, World of Warcraft, sur un serveur privé, et nous allons jouer démoniste. En vrai, on va jouer démoniste histoire de le monter niveau 8, et ensuite on reprendra notre mage, parce qu'en gros, avec le mage, je me suis un peu foiré, du coup les vidéos sont pas regardables, étant donné que j'ai oublié de brancher mon PC portable, et du coup, bah, c'est en 3 images secondes. Du coup, on va jouer Rick Boogs, qui est un catcheur de la WWE, enfin ancien catcheur de la WWE d'ailleurs. Il a été viré. Il a été viré. Du coup, on lui rend hommage quelque part. On est sur un serveur privé du nom d'Everlook. Si vous voulez jouer à mes côtés, n'hésitez pas à venir soit en live, soit... Les nobles humains de Stormwind sont une Il y a un âge de là. Bien que l'invasion récente de la démoniaque Légion Ardente ait ravagé le royaume frère de Lordaeron, soit à me MP sur le jeu. Les défenseurs de Stormwind montent la garde contre quiconque menacerait l'intégrité de leur terre. Nichée dans les collines de la forêt d'Elwyn, la cité de Stormwind est l'un des derniers bastions de la puissance humaine dans le monde. Menée par l'enfant roi, Anduin Vryn, son peuple reste fidèle à l'engagement auprès de la Grande Alliance. Soutenus par leurs vaillants alliés, les armées de Stormwind ont été appelées à combattre la Horde sur de lointains champs de bataille. Les soldats partis en expédition, la défense de Stormwind incombe à ses fiers citoyens. Vous devez défendre le royaume contre les chiens qui l'infestent et les traîtres qui cherchent à le détruire de l'intérieur. L'heure des héros a sonné. Le plus grand chapitre de l'histoire humaine vient de s'ouvrir. Du coup, on va gérer les options. Là, ça a l'air ok. Audio. Tout a l'air ok en vrai. Salutations. Parlez au maréchal McBride. On va faire ça. Hein. Tu es dit vermine. Très bien. Tac, tac, tac. On va virer l'armure, la mettre plutôt ici. Et qu'on inverse les deux. Je vous souhaite une bonne journée. Shadowbolt. Pef. Shadowbolt. J'avais pas vu, mais ça regène super vite la mana. Meurs. Pète. 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 Oulé. 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 Ah, c'est quand même mieux avec un bâton. Le bâton il tape plus fort. Raté. Esquive. C'est bon, il est mort. Shadowbolt. Shadowbolt 2. Shadowbolt le retour. Shadowbolt.
Level up. Shadow Bolt. Désolé. Vas-y, on en fait 3 du coup. Ouais, il peut mourir avec 3. Hein. Résiste. Ouais, il peut pas mourir du coup. Hein. Alors attendez, je vérifie un petit truc. Ok, pardon. Je vérifie un truc sur mon bureau. D'ailleurs, si vous connaissez un moyen d'avoir le son quand je fais Alt-Tab sur Classic Vanilla, je prends. Vous avez besoin de quelque chose ? Que la journée soit bonne. Mon équipe. Hardcore mode. Il est mort par Crimson Ooze, level 24. 19 heures de temps de jeu. Ah, coup dur. Hein. Que puis-je pour vous ? On se voit plus tard. Bonjour, tome dérobé. Ok, je sais où il est le tome dérobé. Enfin, je pense. Vous voici, Reg Boogs, c'est ça? Oui. Il se trouve près d'une tente. Des vignes, on connaît, on va attendre. Immolation. Shadowbolt, immolation. Shadowbolt, de mort. Shadowbolt, immolation. Book. Ça dure combien de temps? En 15 secondes, ok. Du coup, ça fait 4 toutes les 3 secondes. Bon. 25, 50, ok. Ah, oh, résiste. Shadow Walt. Immolation, duc. Pef. Pef. Oulé. 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 Thank you.
Shadow Bolt. Écoute, Daga 1 et 2 quoi. Coup critique à 2. Coup critique. Se faire des ouvriers. Bon, dit comme ça, c'est bizarre. On va se faire des ouvriers là. Ouvrier là, vas-y, baisse ton pantalon, laisse-toi faire. Quoi? Dinguerie. Hein. On dit des dingueries H24. C'est la marque de fabrique de cette chaîne YouTube. Shadow Bolt. Shadow Bolt. Simulation. Shadow Bolt. Encore à 2, 4. Oh, le coup critique à 4. Alors là, respectez-moi. Hein. Attention, hein, on tape fort. Hein. Pardon. C'est un peu chiant que le son se coupe en alt-tab, mais je suis obligé de vérifier certaines choses des fois.
Ou alors faudrait que je branche ce PC sur un autre écran. Comme ça, ça me ferait un double écran sur le PC portable, quoi. Shadowbolt, immolation, Shadowbolt. Niveau 3, du coup on peut pas aller chercher les sorts. Shadowbolt. Immolation. Regardez au fond de la grotte s'il n'y a pas une... S'il n'y a pas un coffre. Ok, bon, on va aller tous les tuer là. Shadowbolt, immolation. Bon, on espère qu'il y a quand même un truc bien dans le coffre, hein, sinon on va être déçu. Alors même s'ils sont jaunes, faut le savoir. Hein. Même s'ils sont jaunes et que vous, mais que vous prenez un coffre, bah ils vont vous attaquer. Hein. Là, je pense que si je prends le coffre, les deux là vont m'attaquer. Il est trop loin en vrai. Parade. Allez, raté. Non, ok, il est trop loin. Bef. Yeah.
Ok, il me faut deux pièces d'argent. Raté. Shadow Bolt. Shadowbolt. Shadow Bolt. Raté. Shadow Bolt. Blocage. Il a bloqué avec son bras ma dague. 2. 1. 2. Shadow Bolt. Shadow Bolt. Chez moi, s'il vous plaît.
Olé. Shadow Bolt. Shadow Bolt. Olé. Le bouquin, à moi le bouquin. Oh, à moi. Shadow Vault. Pardon, je me suis mute parce que j'avais envie d'éternuer, ça m'arrive. Shadow Bolt. Oulé. Shadow Bolt. Oui. Shadow Bolt. Shadow Bolt. Oh, résiste, oh, ça dégoûte. Dieu, je t'avais pas vu. On recule un peu. Shadow Bolt. Shadow Bolt. Immolation. En vrai, dès qu'on va avoir corruption, ça va être Shadow Bolt, immolation, corruption, coup de dague, quoi.
Shadowbolt. 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 Immolation. Mur. Oli. Oula. Oli. Oula. Allez vite. Shadowbolt. Je dois être tellement énervant. Imaginez quelqu'un qui découvre ma chaîne YouTube maintenant et il se dit putain mais le mec, il est casse-couille. Oui, 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 oui. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Hein. C'est parce que je suis un mec insupportable. Mais c'est revendiqué, c'est revendiqué, c'est revendiqué. Insupportable et c'est fabuleux. Fabuleux. Vous avez besoin de quelque chose? Voilà, donne-moi mon diablotin. Malédiction de faiblesse. Corruption. Et ici mon petit bébé. Il est où mon bébé? Il est là mon bébé. Il est pas loin mon bébé. Tech. Du coup, hop, en défensif, ça me paraît bien. Une nouvelle dague. Hop, la prime pour le boss et Millie Osworth. Ah, je me suis concentré pour le dire, hein, Millie. Millie Osworth. Quoi? Ah oui, moi aussi j'ai level up. J'ai eu l'impression qu'il y avait que mon démon qui avait level up. Du coup, ça me faisait un peu bizarre. Attends, on va les vendre. Qu'est-ce que vous cherchez? Tac 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 tac. Oh, y a un collègue. Y a un collègue. Little FS. Little FS. On reviendra peut-être de temps en temps avec Rick Boogs. D'ailleurs, j'ai pas parlé un peu de la parution de ces vidéos. Ça arrivera quand ça arrivera. Terrible. Et je pense qu'on va faire un truc assez simple. C'est que là, bon, ce sera la vidéo de cet endroit, c'est-à-dire Northshire. Peut-être mettre le nom en français histoire de pas avoir des Américains qui cliquent sur la vidéo en pensant que c'est un Américain qui joue quoi. Et au pire si je trouve pas le nom en français, je mettrai le nom en anglais et je mettrai un petit FR à la fin du titre. Histoire de ne pas tromper les gens sur la marchandise, n'est-ce pas? Alors voyons voir. Résiste, nickel. Bon, un peu tard du coup. Vas-y, on va essayer comme ça. Fais voir les dégâts des dots. Ah, 10 la corruption. Ok. Le truc qui est rigolo avec le mage. C'est que j'avais déjà 3 sacoches à ce stade. J'ai vraiment eu beaucoup de chance personnellement. On va attaquer lui. Petite immolation. Et là il est mort. C'est fort démoniste. Hein. Démoniste. C'est assez fort. Ça coûte 35 la corruption. Ah merde. Fuck. Fucking fuck. Il y a eu un imprévu dans le plan de jeu. Thank you.
Bon, Rick Boogs a pris un risque. D'ailleurs, je ne suis pas mort avec le mage là en étant niveau 8, donc c'est pas dur à croire. On va essayer de ne jamais mourir. Après, si on meurt, c'est pas très grave, honnêtement. C'est pour ça qu'on se met pas en hardcore, mais en fait l'objectif c'est de ne pas mourir. Et on se met pas vraiment de restrictions, hein. On peut grouper tout ça, arriver niveau 60 sans mourir. C'est un royaume en PVP, hein, du coup bon, on peut se faire tuer par des joueurs, hein, globalement. Je pense que si on joue bien, on peut aller, on peut arriver dans une zone. Bon, en fait, je pense qu'à la première zone contestée, on meurt. Globalement. Putain, il m'a chopé de là, quoi. Shadowbolt. Walt. Ça s'est bien passé quand même. Quand même. Vas-y, on va pierre de foyer. Salutations. 9. C'est mon familier. Je voyais un truc, un point près de moi, je pensais que c'était une quête à rendre, mais pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Oh, lui, lui, il entrecoupe son pexing avec une branlette. Je vois que ça, quoi. Le mec prend un level, il se dit bon allez, hop, 15 minutes de pause. Bon, 15 minutes, je suis un peu généreux, hein. Là faut être un sportif de haut niveau. Non, haut niveau 15 minutes, peut-être pas. Bon, la zone est quasiment terminée. Du coup, on va bientôt se donner rendez-vous pour l'épisode prochain. À Goldshire, justement. Bonjour. Manifeste, on prend la cape. Ça me rappelle tellement de souvenirs, en vrai. Il y a tellement de souvenirs qui se bousculent dans ma tête. Quand j'étais jeune, j'ai découvert Warcraft à Vanilla, chez un copain. Hein. J'étais très très jeune, hein. J'avais quoi, 8-9 ans. Lui, il avait un PC, il jouait à... On jouait ensemble à d'autres jeux, et d'un seul coup, il vient avec World of Warcraft. Et... il commence à jouer à ce jeu. Moi, j'étais très déçu, hein, de jouer à ce jeu. Anecdote. Hein. J'étais là en mode, j'aurais préféré jouer à la Guerre de l'Anneau, le Seigneur des Anneaux, la Guerre de l'Anneau. C'est à ce jeu qu'on jouait à l'époque, lui et moi. Et quand il est arrivé avec ce jeu, j'étais très déçu. Et au final, bah, j'ai adoré. Lui faisait, enfin, on inversait les rôles. Hein. Il y en a un qui faisait la souris, l'autre ZQSD pour faire les déplacements. Et l'autre, la souris pour faire les sorts. Et grâce à lui, bah, je suis un peu tombé dedans. J'ai supplié mes parents pour avoir un PC et pouvoir jouer à World of Warcraft. Je les ai suppliés. J'ai eu mon PC pour jouer à Warcraft. C'était Burning Crusade. Je suis arrivé niveau 60. Wars of the Lich King est sorti.
Et je suis arrivé niveau 80 à Wars of the Lich King, je jouais paladin. Et c'est là que j'ai... Pardon. Moi, je me suis pas mute, je suis vraiment désolé. J'ai pas eu le temps de me mute. Mais voilà. C'est pour l'anecdote, du coup ça me bouscule tellement de souvenirs que c'est un peu plaisant. C'est très plaisant. Bref. On va s'arrêter là pour ce petit épisode, ce premier épisode. Rendez-vous bientôt pour la suite de notre aventure sur World of Warcraft Classic Vanilla sur le serveur privé Everlook. Au revoir.